Salut les mecs, c'est le moment. Premier run du UT4. J'ai fait un petit run test d'une dizaine de minutes, juste des petits essais, première blocage de pont, tout ça, machin. Là maintenant j'ai tondu, je prépare le terrain. On va faire un essai, on va commencer tout cool. Ensuite on va aller rapidement dehors pour voir ce qu'il en est, plein de patates en seconde. On a donc un Mamba Monster X à bord. On peut évidemment mettre juste un Mamba X, on peut mettre aussi la version 4S uniquement ou autre, ce que vous avez envie. 2400 kV en 36 par 70 à capteur. Là, on va commencer tout tranquille en première. Regarde. Dommage que la transmission elle est un peu bruyante. Hein. Là, on a les diffs débloqués. N'oubliez pas, quand vos diffs sont bloqués, que la direction tourne beaucoup moins bien, que ça force. Alors j'ai les huiles un peu plus dures là, mais ça va. On a une 4S à bord, une vieille, essoufflée. Ça suffit large pour tout ce qui est crawler et ce genre de petits engins. Alors on sent quand même évidemment avec l'huile plus dure que... Enfin vous n'avez pas vu le premier essai avec l'huile d'origine. On va voir là, on va passer la seconde parce que... C'est un peu plus silencieux. Tu vois, les roues travaillent bien quand même. Hein. C'est vrai qu'on travaille un peu moins bien qu'avec les... L'huile d'origine était vraiment méga souple, on voyait vraiment le travail total des roues. Mais ça va bien quand même, hein. La caisse ne rebondit pas. Les roues travaillent bien. J'ai peur que ça soit un peu trop, mais franchement, ça m'a embêté que ce soit trop, parce qu'avec l'huile vraiment d'origine, c'est vraiment trop de chaud style. Alors ça bosse bien. Essayer de face. Ouais. Tu vois là ça va, on est en fond de seconde, tu vois, c'est pas extrême. On a un petit 50 au compteur, 55. On a un peu de torque twist. Facile à gérer. Et quand on sait conduire un véhicule à pont, tu vois, on n'a pas de problème de cassage de gueule. Sauf quand tu fais n'importe quoi dans le mou. Première fois sur le toit. En fait, c'est pour vous montrer un peu l'architecture intérieure qu'on n'avait pas pu voir encore en vidéo. Allez, on va faire un tour du terrain. Un petit, allez un petit. Le gros évidemment on va pas le faire. Ouf, fudge. Mani la vise à côté. Donc tu vois, c'est pas trop violent en seconde. Et du coup, on va passer en proms.
Bonjour. Fallait pas freiner, Mani. Je vous descends le plus de ce travers possible en douceur, mais on a quand même le moteur devant, c'était le piège. Donc ce coup-ci, on va descendre un peu plus droit. Voilà. Wow, génial. Bah, je vous ai fait peur. Hein. Allez, on va voir la limite de l'angle d'attaque. Bon là ça va être chaud. Là, on est vraiment un caillou 90 degrés, mais c'est le pare-choc que je pense. Ouais, nickel. Par contre, évidemment là, on n'aura pas à monter. Hein. Tu vois. Mais il peut y aller. Hein. Et les pneus sont vraiment pas mauvais parce que là on a les pneus mouillés quand même sur la caillasse lisse. Pas tombé. Donc là, c'est le piège parce qu'il est moins large que les engins qu'on a testés jusqu'à présent pour aller là. Et il est vachement haut avec le toit aussi. Là, l'intérêt par exemple de descendre la suspension de l'engin pour réussir à avoir un angle correct. Donc il faut qu'on attrape le coin de l'escalier. Et maintenant on va voir ce qui le piège. Est-ce que c'est soit l'angle qui prend là-bas ou le pneu qui va attaquer de travers. Attaquer un peu plus haut. Là on est limite avec. J'arrive à rester avec la roue sur ce petit flanc là. Là ça va être chaud. Là il tient hein. Donc ce qui va pas c'est juste le passage de l'un à l'autre.
C'est à ce moment-là, regarde là, j'ai mon pneu qui fout le camp. C'est là le piège. Donc il faut que j'essaie d'attaquer plus haut. Raté aussi. En plus là on a commencé à creuser sur la terre, donc c'est encore pire. De toute façon, alors, on va essayer d'attaquer en angle. Raté aussi. Alors là, je pense qu'il va échouer aussi, c'est là. Là, j'ai réussi à remonter évidemment avec le X-Max, le Summit. Le VPC Crawler, il l'a fait. Mais il est extrêmement léger, roue lestée. Là, on n'a pas encore lesté les roues. L'angle va être trop grand. Ouais. On arrive chaque fois à glisser à part là. Ah, j'ai perdu ma porte à batterie, regarde ça. Sur le choc, c'est l'avant ou c'est l'arrière? C'est là. Il y a une lipo dedans. 4S, c'est un fou furieux. Ouais. Alors, on va essayer de tricher avec, en gardant la jante en contact sur le coin de la roche. Perdu aussi. Donc on va essayer d'attaquer plus tôt. Pour que, voilà, la troisième roue passe. Trop tard, ça va foirer. Ah. Je dois réussir à faire passer la troisième roue sur la marche avant que l'autre ne touche l'escalier. C'est vrai que des fois c'est avantageux de pouvoir débloquer le pont arrière et là je peux pas parce que j'ai sorti mes servo shift, ils n'ont pas supporté 7,4 volts. La raison pour laquelle on a stoppé la vidéo avant, c'est ce qui a coupé le vario. Allez, vas-y, 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 vas-y. Raté, dès qu'on commence à slider, c'est mort. Yes. Allez. Oh oh. Oh oh. Non, rien à faire.
Oh oh. Mauvaise posture. Très mauvaise posture. Ce passage là aussi il va être chaud, très en pente, c'est touffu. C'est pas un crawler à fond, hein, donc forcément il y a des trucs ici, si tu prends un vrai crawler, hein, surtout un Moab, tu passes comme s'il n'y avait rien. Mais c'est pas du tout ce qui m'éclate. Là, j'aime bien. Alors là, la descente va être chaud. Je suis pas en mode crawler non plus, hein. J'ai pas de frein automatique ni rien. Parce que juste un engin qui arrive à tout faire, qui est un peu versatile, peut crapahuter un minimum quand même, et on peut quand même aller un peu plus vite en seconde et diff débloqué. Oh, polyvalent, pas versatile, vont-ils me dire. Versatile, c'est quelqu'un qui change rapidement d'avis, donc il peut. Je suis crawler, je suis engin de cross. Il est donc bien versatile. Tu peux tourner un peu tes définitions comme tu en veux. Donc, attention à la porte à l'hippo. Enfin, l'hippo. À la base, c'est pas pour l'hippo. Hein. Mais il est vraiment conseillé de, je pense, de verrouiller cette porte.
que ça va être à l'extérieur dans une grosse pente. Ah, je suis allé trop vite. Ça va pas aller du tout. Ah, c'est quand la suspension se détend, tu vois, on est trop. Ce que je disais, ça c'est le problème des ressorts trop durs. Hein. Il faudrait en fait que ces ressorts soient plus souples pour rester, pour laisser l'engin au sol. Elle me manque, ma seconde vitesse. Yeah, tu vois, ça, c'est sympa. C'est quand même du 8T4, les mecs. C'est pas un escargot. En vrai, je veux dire. On va se la refaire. Je vais te bricoler un truc pour le cerveau de chiffre, tu vas voir. Je vais te mettre un cerveau standard dedans. Pas oublier qu'on a le poids en avant, hein, quand même. J'adore, il se comporte vraiment comme un petit buggy là qu'on peut acheter. Ouais, tu vois, ça encaisse là. Voilà, je vais me calmer parce que on a les dix bloqués quand même. Tu vois, c'est là que c'est sympa parce que si tu claques la 2 et que tu sors tes blocages de diff, tu peux te faire un minimum de cross quand même, sans exagérer. Tu vois, ça, c'est du saut réaliste. On va dire le contraire quand même. Ah bah encore cette porte. Et décidément. Ah, c'est l'autre côté cette fois. Donc ça, t'as vu, il n'y a aucune sécurité sur les portes pour les batteries. Donc même ta gnavache, hein, elle va le dinguer quand même. Et le ressort est beaucoup trop dur quand la roue est montée, ça fait basculer tout l'avant.
Ce qui est impressionnant, c'est l'accroche. On se cogne dans la terre sur les feuilles qu'il allait patiner dans cette pente. Pourtant, il y va le kiki. Voilà, sous les feuilles mortes, c'est un problème parce que c'est plein de lierre et de compagnie, donc ça va être très dur pour lui de passer ici. Ouais, il y a trop de petits arbustes ici, impossible pour lui. Bon, je vais aller mettre mes cerveaux. Il faut que je puisse passer la seconde et débloquer ces diffs, c'est pas possible. Excellent. Ah oui, on va faire autre chose aussi. Ouh, le VPC est passé parce que il y avait les roues lestées étaient très légers sur l'est. Le dessin, lui, n'a pas réussi parce qu'on était trop lourd. Et pareil, regarde, même constat. Après, sur le VPC aussi, on avait des pneus extraordinaires. Tu vois, avec un peu d'élan, ça y va, mais c'était pas le but. Il va y aller, il va y aller. Il y va, il y va, il y va.